Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer aux anciens et nouveaux venus. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis bienvenue, bon retour sur la chaîne aux anciens et bienvenue aux nouveaux venus. Caribou, caribou, comme je l'ai toujours dit dans l'une de nos langues au Congo, caribou qui veut tout simplement dire bienvenue. Bienvenue dans la maison, bienvenue dans la famille. Alors laissez-moi recommander ces instants de la main du Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es pour nous. Te levons au-dessus des trônes, des principautés, des dominations, de lois établies, de la magie, de la sorcellerie, des envoûtements. D'aimer prendre le contrôle total de ce moment, Seigneur, que j'ai diminué, que tu croisses. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Alors, vraiment, je m'excuse, comme je vous ai dit. Là, c'est ma busy season. C'est une saison où je dors à peine. Je suis tellement surchargée, submergée par mon travail. Alors, on fait avec, tu sais, on ne veut pas se mettre, que je mette là, je commence à prêcher du matin au soir, à partager. J'essaie que le Seigneur prenne soin de son peuple, mais je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Et ça n'a jamais été mon désir. D'ailleurs, j'ai toujours dit à Dieu, moi, j'aimerais bien te servir avec mon argent. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Je veux travailler dur, gagner mon argent, servir le Seigneur, créer un temps pour Dieu et le servir. Je lui ai toujours dit, moi, je veux faire les deux. Je ne veux pas être là, ministère temps plein. Si c'est là qui va m'amener un jour, je ne sais pas, mais je pense que des fois Dieu répond aussi au désir de nos cœurs. Moi, c'est mon désir, c'est de le servir et faire mes affaires. Donc, je ne dépends de personne, je dépends de mon boulot. Ça, c'est mon désir. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour m'excuser, vraiment, on n'est pas là à tout moment, on ne fait pas de prières comme on a l'habitude de faire. Je suis submergée. Hier, là, j'étais debout jusqu'à 3 heures. Il fallait prier, il fallait aussi préparer cette leçon et tout ça. Je suis allée au lit le matin, tu vois. Donc, j'ai à peine dormi. Que le Seigneur nous fortifie. Je pense que par sa grâce, demain, vendredi, le jour, ça file. Hein? C'est lundi et puis, before you know, c'est vendredi déjà. Demain, c'est déjà vendredi. Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu nous aide, c'est pas facile. Le 24 heures là, ça devient de plus en plus peu. Tu sens comme si c'est pas suffisant, tu veux plus. Alors, bienvenue au Saint-Esprit. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds. Je pense que demain, nous allons prier par sa grâce si Jésus ne revient pas. Samedi aussi. Bien, je vais voir comment je vais finir ma journée. Alors, je vais lire dans les livres de... Ce message, je l'ai eu il y a plusieurs semaines de cela déjà. Je pense que c'était quand je m'étais retirée un peu. Matthieu 6:33, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste là, mari, enfant, voyage, argent. Quand tu cherches Dieu d'abord, tout le reste ça viendra. Quand tu cherches Dieu, tu mets d'abord Dieu en premier. Le reste, ça vient automatique. Tu n'as pas à jeûner, prier. J'ai dit aux gens, je sais une fois, j'étais en train de partager avec quelqu'un, j'ai dit, là, je ne sais pas encore marier, j'ai dit, tu vois, les histoires comme avoir des enfants, être marié, ce sont des cadeaux, ce sont des choses, on est avec, en fait. Dieu a déjà préparé tout ça pour ses enfants. Mais quand, parce que tu vas voir, il y a des gens qui sont même des païens qui ne prient pas, mais qui se marient facilement. Là, toute la famille, les jeunes, ces filles-là, se marient sans problème. Et j'ai dit à cette dame, si tu vois, tu commences à chercher le mariage, là, et puis prier, ça ne vient pas. C'est qu'il y a autre chose, il y a un problème. Comme c'était mon cas. Parce que normalement, ce sont des choses qu'on doit avoir. C'est naturel. Travail, enfant, argent, tout ça. Quand on commence à chercher, il y a autre chose. Alors, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord le donneur. Ne cherche pas le don. Vous allez comprendre pourquoi je vais parler de ces choses aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui m'a tellement... qui me dérange aussi beaucoup. C'est vrai que je vais me retrouver dans ces notes. C'est un peu peine, mais que le Seigneur m'aide. C'est
C'est tellement choquant ce qu'on est en train de voir. Jésus n'est pas allé à la croix pour que tu deviennes riche. Ça pourra te choquer, mais je vais m'expliquer. C'était pour te réconcilier avec le Père. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il y avait une très bonne relation entre l'être humain et son Dieu, son Créateur. Au point où il venait tout le soir les visiter. Tu peux te rendre compte? Dieu venait les visiter, parler avec eux, s'asseoir avec eux. Ils ont péché, ils ont désobéi. Et cette relation de père-fils, cette relation avec Dieu, leur Créateur, a été coupée. Tu vois, la création là avec le Créateur, ça a été coupé. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et the main reason why Jesus came, la raison principale, je pense, pour laquelle Jésus est venu, c'était pas pour que toi tu deviennes riche, tu aies beaucoup d'argent, tu achètes des jets privés. Non, ça c'est vraiment, nous sommes tombés trop bas. C'est pourquoi je vais en parler aujourd'hui. Nous sommes tombés trop bas. Le Seigneur de gloire est venu. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice, en offrande, pour que nous puissions être rachetés et réconciliés. C'était juste pour te réconcilier avec le Père. Regardez l'exemple du fils prodigue dans la Bible. Il était prince dans la maison de son père et il a demandé au père de prendre sa richesse et puis d'aller aller vivre là où il voulait et comment il voulait aller vivre. Et il a tout perdu. La Bible dit qu'il a tout perdu. De là où il était, il n'avait plus accès à ses banques en compte, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de serviteurs, il avait tout. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Loin du père, loin de la terre promise, loin de la sainte présence de l'Éternel, ils avaient tout perdu. Mais quand le fils a décidé de retourner à la maison, chez le père, c'est là maintenant, quand tu rentres là, c'est automatique. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que le fils prodigue a dit, il est venu là commencer à intercéder. Père, donne-moi mon argent. Père, demande au serviteur de m'obéir. Père, please, demande au serviteur de préparer pour moi. Non, quand il est venu, il était même déjà dehors. Le Père a donné des ordres pour qu'on commence déjà à préparer sa robe royale, tout ça, on a tout mis en place, sa bague, on a tout remis, la réconciliation avec le Père. Quand tu te réconcilies avec le Père, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, tu l'acceptes, il devient ton sauveur, Seigneur et sauveur, tu l'acceptes dans ta vie, tu abandonnes le péché et tout ça. Le reste là, ce que tu avais perdu à cause de ta nature pécheresse, ça revient automatiquement. Quel que soit le temps que ça va prendre, attends, ça va arriver. Tout ce que tu avais perdu, ça va arriver. C'est automatique. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à aller chercher, commencer à courir. Tu passes des heures. Le piège, tu n'as pas d'argent, tu penses que tu n'es pas chrétien. Tu vois le piège dans lequel nous sommes tombés? Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, comme je le disais. Toi, tu penses qu'avant Jésus, avant qu'il ne naisse, avant qu'il n'aille à la croix, il n'y avait pas d'hommes riches en Israël? Oh oui, ils avaient des hommes riches, très riches même. On parle du roi David, Salomon, Joseph d'Arimathée qui a donné la tombe, la nouvelle tombe là pour qu'on puisse ensevelir notre maître. C'était un homme très riche. Les disciples n'avaient rien, pouvaient rien, ils étaient là de loin, mais c'est lui, il a juste donné un ordre. Vous savez, pour que les Romains à l'époque, c'était comme les Américains aujourd'hui. Toi, tu ne peux pas aller seulement là-bas demander le corps de quelqu'un, puis chez les Romains, puis on te donne. Cela montre à quel point cet homme avait de l'influence dans la société. Et on lui a donné le corps du Seigneur. C'est pour te dire que, alors, si Jésus est venu seulement pour que nous puissions devenir riches, alors ça, c'est vraiment... Je dis que ça, c'est comme une peine perdue. Parce qu'il y avait déjà des riches avant. La reine de Saba, toutes ces personnes, il y a des riches, des hommes riches qu'on n'a même pas mentionné dans la Bible. Alors Jésus n'était pas venu pour ça. Tu n'as pas beaucoup de... tu n'as pas d'argent. Nous sommes tombés dans le piège, comme je le disais. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas assez d'argent, beaucoup d'argent comme d'autres chrétiens. Maintenant, tu es complexé. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que Dieu entend mes prières? Est-ce que pourquoi eux, ils ont et moi, je n'ai pas? Je parlais avec une de mes soeurs ce matin. Je lui dis, nous devons apprendre à nous... to be content. Apprendre à nous contenter, voilà, de ce que nous avons, de ce que le Seigneur nous a donné. Tu peux avoir besoin d'une grande maison. Tu désires avoir une grande maison, comme moi.
Ma maison, elle est grande. Les gens pensent qu'elle est grande. Mais moi, le travail que je fais, je veux encore plus. Maintenant, j'ai dit à la soeur, à vouloir avoir une grande maison, plus grande que celle qu'on a, n'est pas un péché. Le péché intervient où? C'est maintenant quand ça devient ton main focus. Tu es toujours là. Tu regardes les autres qui ont des grandes maisons. Tu as comme un pincement au cœur. Pourquoi eux? Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas moi? Tu regardes ceux qui ont des grandes voitures. Pourquoi seulement eux? Je lui disais, je lui ai donné l'exemple. Je lui ai dit, ma voiture, c'est une petite voiture. Mais hier, j'étais au volant. Je retourne à la maison. J'ai dit, Seigneur, je veux une Jeep. J'ai besoin d'une Jeep. Et toi, tu as dit de demander. Tu nous as dit, on pourra vivre dans des maisons qu'on n'a pas achetées. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à certaines choses qu'on n'a pas achetées. Mais le Seigneur te le donne par sa grâce, par sa miséricorde. J'ai dit ça. Je suis fils de mon Père. J'ai parlé à mon Père. Et je ne reste pas là à faire de soucis, à envier l'Égypte des autres, à me lamenter, me tourmenter. Non, pour l'instant, je me contente de ce que j'ai. Et je suis très contente. Au moins, je ne fais pas le pied. Quand j'étais au Congo là-bas, je faisais des pieds. Je faisais rigoler l'un de mes frères. J'ai dit, tu te souviens, moi j'ai un problème, j'allais au grand marché, quand je retourne, je suis malade. Je vais au grand marché au Congo, chaque fois quand je retourne à la maison, je suis malade. Je me promène toujours avec les médicaments dans les sacs. C'est l'estomac, c'est des vertiges, je vomis, je suis mal à l'aise. Donc je suis obligée d'aller le matin très tôt quand ce n'est pas encore beaucoup de monde, quand il n'y a pas, ce n'est pas, il ne fait pas trop chaud. Si je vais là, qu'il fait déjà chaud, il y a beaucoup de monde. Je vous dis, je rentre à la maison malade. Ou carrément, je dois prendre un taxi express. Même si je prenais un taxi express, parce qu'à l'époque, il y avait l'argent. Et puis après, il n'y avait plus d'argent. Les parents étaient, il y avait tout perdu. On a appris à se mettre sur des arrêts, prendre de transport. Tu vois? Et ce n'était pas facile pour moi. Et même le taxi, je veux toujours m'arranger pour avoir de l'argent pour au moins prendre un taxi express. Le taxi, là, je veux prendre. J'étouffe, il fait chaud, des klaxons, je ne supporte pas. Donc, je veux toujours rentrer malade. Mais là, Dieu m'a sorti de là. Je n'ai pas une très grande voiture. J'ai une petite voiture. Je me contente de cette voiture. J'ai dit merci à Dieu pour ce que j'ai. Tu n'as pas encore une maison. Tu es encore locataire ou tu es encore dans la maison familiale. Tu n'as pas encore le moyen d'avoir ta propre maison. Contente-toi de ce que tu as. Dis merci au Seigneur. Mais là, le piège. On est tombé dans le piège pensant que, oh, les autres ils ont, moi je n'ai pas, est-ce que je prie bien, est-ce que tu commences à te poser beaucoup de questions, ton cœur bat vite, ton cœur n'est pas, quand tu regardes les maisons des autres, il y a un pincement au cœur, c'est là maintenant qu'il y a un péché. Quand tu regardes les voitures des autres, il y a un pincement au cœur, c'est là qu'il y a un péché. Tu n'as pas encore d'enfants, les autres ont des enfants, au lieu d'être content pour les autres qui ont des enfants, tu regardes les enfants des autres, tu as un pincement au cœur, tu rentres en prière, tu vas pleurer. Les pleurs là, ce sont des pleurs, un cœur noir, un cœur rempli de jalousie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être content que les autres ont. Tu voulais que toi, tu aies des enfants. Pourquoi tu n'as pas d'enfants et que les autres ont? Tu vas pleurer. C'est pourquoi ça tarde. Tu dois changer ton cœur. Dis merci au Seigneur. Je n'ai pas encore d'enfants. Je dis merci au Seigneur. Je célèbre les enfants de mes frères. Je célèbre les enfants des gens qui sont autour de moi. Je suis très contente. Et le Seigneur se souviendra de moi un jour. Je ne sais pas quand, il sait. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et j'ai aussi parlé, on tourne toute notre attention plus sur le monde et les choses du monde. Et là, la Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement, tu vois. Et il y a les chrétiens, les chants chrétiens qui se présentent sur les réseaux comme des superstars. Ça fait rêver tout le monde. J'ai parlé de ça la fois passée. Tu vois, les chants chrétiens, les pasteurs, les prophètes. Tu vas voir un prophète, je regarde, je dis, Seigneur. Ça, c'est un homme ou une femme, un serviteur de Dieu, prophète de l'Éternel, avec les nez troués, boucles d'oreilles, ici. Je ne juge pas, mais c'est un constat que je fais. Les maquillages qu'ils te font, ils te font avant de commencer une vidéo. Je sais, je comprends que avoir une qualité, les gens sont tellement exigeants, ils aiment des choses bien, la qualité. Mais on peut jouer avec les lumières. Quand je te parle là sur mon visage, il n'y a pas de maquillage. Je suis le brillant à lèvres que j'ai mis. Tu peux jouer avec des lumières. La couleur de la tenue que tu portes. Essaie un peu de voir tout ça, ça peut aussi aider. Mais tu vas voir, nous allons dans l'exagération, dans l'extravagance. Trop de maquillage, trop de ceci. Nous sommes trop flashy. Tu vois, la Bible dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde les prêtres.
Même si des fois les gens pensent qu'ils sont hypocrites et tout ça. Regarde les religieuses. Regarde les moines. Regarde les femmes musulmanes. Tu vas voir, c'est toujours dans les couleurs atténuées. Dans la décence. Pas trop flash. Pas trop extravagant. Tu vois, aller voir sur Internet les règlements d'ordre intérieur pour être prince ou princesse à UK, le Royaume-Uni, là, comment on appelle ça? Londres. Hein? Pas de vernis trop flash. Pas de rouge à lèvres, wow, trop flash. Leurs habits, pas trop de fleurs. C'est seulement la reine qui porte la couleur un peu qu'il faut. Au cas où il y a un problème, on va la repérer facilement. Il y a de la longueur de la jupe, la longueur de la robe, tout. La nature, ça, ce sont les gens du monde. Mais nous, comme on a fait de notre liberté ce qu'on dit libertinage. Je vous ai dit la fois passée, les chantres chrétiens sont en train de passer un message. Regardez le monde dans lequel nous vivons maintenant. C'est un monde de messages. La télévision, je vous ai dit, c'est l'outil final de l'ennemi. Le réseau social, ça, c'est l'arme fatale du diable. C'est l'arme fatale, c'est l'outil final. Regarde comment on est en train de jouer. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu vas regarder, on va te faire regarder Coca-Cola. Tu vois comment la personne boit, il fait tellement chaud. Tu vas finir par boire le Coca-Cola. Que tu le veuilles ou pas. La puissance de la publicité, la puissance de l'audiovisuel. Hein? Il y a une puissance dans ces choses. Tu regardes. Au début, tu n'aimais pas. Oh, vous aussi. Vous voyez, la pornographie, avant, ça ne passait pas. Mais là, ça passe en pleine journée. C'est devenu normal. On a normalisé. Au début, c'était, oh vraiment, ça c'est choquant. Maintenant, ça ne choque plus. Les papa, maman. Au début, c'était choquant. Je vais vous choquer. Hier, j'ai regardé M. Bishop, l'église. L'église du Seigneur, M. Bishop. Ce n'est pas, oh, il a officialisé son mariage avec son homme hier. Et puis, il présente. Donc, tu vois comment on dit la première dame, lui dit the first gentleman. Et l'église applaudit. Wow! J'ai dit à un monsieur qui est venu, il vient d'arriver en Amérique. Il regarde, ils disent, je leur ai dit, ce pays est sur le point de tomber, ça va être catastrophique. Ce que le Seigneur a révélé. Il m'a dit, oh, ils ne vont jamais tomber. Ça, c'est un pasteur qui m'a dit ça, un serviteur de Dieu, les nouveaux qui sont venus à l'église. Il dit, hey, maman, alors, vous êtes allés trop loin. Ces gens sont allés trop loin. Ils ne vont pas tomber aujourd'hui. J'ai dit, hein, papa, tu te souviens de l'Empire romain. Tu te souviens de toutes les grandes puissances. Ils tombent toujours. Qui est Amérique pour que... Et l'Amérique est allée trop loin. J'ai vu ça hier, ça m'a écœuré. Ça, c'est un bishop. Il s'est levé, il a déclaré officiellement son mariage. Et tout le monde applaudissait. Et je veux vous choquer. Dans la même vidéo, une chrétienne, elle dit, moi, je suis chrétienne d'autre camp, là. Et papa, maman. Il dit, je suis chrétienne de l'autre camp. Et la toute première fois que j'étais remplie du Saint-Esprit, c'est quand j'ai embrassé ma femme. C'est une femme qui parle de sa femme. Le jour où il a épousé sa femme, tu vois quand on dit, maintenant tu peux embrasser la mariée. Elle dit, c'est ce jour-là, qu'elle était remplie du Saint-Esprit. J'ai dit, God forbid. On lui a dit, ma soeur, ce n'était pas le Saint-Esprit qui est venu. Ce sont des démons. Là, c'était Lucifer lui-même qui est venu, que tu as senti dans ton corps. Et toi, il a déjà parlé en langue. Ce jour-là qu'elle était remplie plus que jamais. Alors, rien ne va la séparer de son Dieu. Elle va servir son Dieu jusqu'à la fin. J'ai dit, merci, amen. On dit gloire au Seigneur. Tu vois, non? C'est en train de se normaliser. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec les chrétiens. Les chants chrétiens ont commencé juste un peu. Juste un peu. Les stars, tu vois? Tout ce que les stars du monde font, c'est ce qu'elles font maintenant. Des maquillages, c'est des gammes et des gammes de maquillage qu'on voyage avec. Toute l'équipe est là pour maquiller la chantre. Et maintenant, au lieu de nous partager les vidéos de la parole, tu vois pourquoi j'ai séparé ma chaîne là où je montre les modèles ici. Parce que je ne veux pas le mélange. La paille, mélanger la paille et le froment. Ici, on parle du Seigneur. Ceux qui veulent voir les histoires de la mode, allez sur Fashions by Marie. C'est là que j'apprends aux dames, les servantes du Seigneur, les enfants de Dieu, comment se couvrir. N'est pas un scandale. Maintenant, au lieu de nous présenter des vidéos qui parlent de Dieu, c'est... Comme j'ai dit la fois passée, comme Jésus, maintenant on l'utilise comme le cachet. Maintenant, tu es en train de nous présenter ta robe.
tu es en train de nous présenter comment le maquillage est bien assis. Maintenant, pour tout couvrir, Jésus est bon. Ou bien on met la chanson de Dieu qui joue dans le background. C'est hypocrite. Dieu vous voit. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-moi. Même moi qui parle, que Dieu m'aide. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, compte toi, tu vois maintenant tous les jeunes serviteurs, tous les jeunes chanteurs, tous les jeunes prophètes, ils sont en train de regarder. On nous fait rêver, tu vois, quand je parle de la puissance de ce que tu regardes, de ce que tu entends. C'est un message. Et ils ne parlent pas. Ils sont humbles. Ils sont trop simples. Mais ils sont en train de nous passer un message dans leur accoutrement. La luxure, l'amour du monde, les voitures trop chères, les montres trop chères, les habits trop chers, les voyages, tout ça, tout. Tout est sur le réseau. On ne cache rien. On doit te montrer tout. C'est un message. Maintenant, un chrétien qui est à l'église, il n'a jamais voyagé, il n'a rien, il ne peut même pas s'offrir, même 10 dollars pour lui, c'est difficile. Tout ça, ça dérange son moral. Tu vois, ça commence à déranger le moral. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je prie? Est-ce qu'on prie le même Dieu? Qu'est-ce que moi je fais? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Au lieu de passer le message du salut, au lieu de passer le message de la repentance, appeler aux gens, c'est pourquoi quand j'ai dit la fois passée, je vous ai dit ici, non? Que les vidéos là où on prie, c'est 200, 300, 400, à peine tu atteins 1000. Et la soeur m'a dit, non, c'est parce que tu parles trop de toi-même. Je partage mes témoignages. Je suis allée prêcher quelque part le mardi à une réunion des femmes. Juste le témoignage, ça a touché, Dieu a touché. Il y a des gens qui pleuraient pendant que j'étais en train de parler. Il y a une puissance dans les témoignages. Alors moi, je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, je parle de moi. La raison, c'est que les gens n'aiment pas tout ce qui est prière, ça dérange, ça ennuyant en fait. Tu vois, les gens n'aiment pas ça ennuyant. Préfère là où il y a le Congo, ça. Entre dans le live de Congo, ça, tu vas voir. Le peu, c'est 1000. C'est toujours 3000, tu montes. Et il y a d'autres lives, je reconnais même les voix. Je dis, oh, mais j'ai entendu la voix de cette dame dans le live. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Tu deviens ce que tu regardes. Ces choses-ci, je ne peux pas continuer à regarder ça. Je regarde juste 5 minutes, 10 minutes et puis j'arrête, je sors. Je regarde si peut-être 20 minutes, si c'est beaucoup, c'est 20 minutes, je sors. Il y a quelque chose, parce que souvent dans les lives là de Congo, ça, il y a toujours des bêtises qui sortent de là. Et ça te suit encore. Mais il y a des gens qui ont du temps et des méga, des unités pour appeler partout, intervenir dans les lives de Congo, ça. Quand on fait les lives de comment nous devons être libérés, comment prier et la repentance, la sanctification, les gens ne veulent pas. Ça à peine vous arrivez à 200. Et ce n'est pas moi le problème. C'est le temps dans lequel nous vivons, en fait. L'amour de l'homme est où? L'amour de l'homme est focalisé. L'argent, le mariage, les enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé? La dame ici a passé un témoignage. La plupart des chrétiens qui ont fait, ils ont fait des rêves, des visions où le Seigneur montre l'enlèvement est arrivé et beaucoup ont raté. Et j'ai regardé les témoignages de gens des pays différents. Ils disent tous la même chose, c'est vraiment similaire à ce qu'ils disent. Ça te montre que c'est le même esprit qui a révélé ces choses. Eux tous, ils disent la même chose. Et Dieu dit la raison pour laquelle ils ont raté l'enlèvement. Ils vont à l'église. Les églises sont pleines, oui. Ils vont à l'église tout le jour, oui. Ils dansent, ils crient, oui. Mais dans leur cœur, la seule qui danse le dimanche, elle dans son cœur, c'est le mariage ou rien. L'autre là, elle dans son cœur, c'est les enfants ou rien. L'autre, c'est la promotion. C'est tout ça qui fait que les gens vont rater l'enlèvement. Même la marraine de pasteur Marcelo a dit la même chose dernièrement. Juste avant elle, ce jour-là, après ou avant, j'ai regardé quelqu'un d'autre qui avait eu la même vision, c'était en anglais. J'ai dit, hé Dieu, aide-nous. Seigneur, aide-moi. Premièrement, le royaume et la justice. Et le reste te sera donné. Le prophète, j'ai dit, le message qu'il nous donne, c'est tellement, c'est parfait. Tu vois, sexy men, ils deviennent tellement sexy. Au lieu maintenant que tu entends ainsi dit l'Éternel, toi tu es en train de regarder comment le prophète est beau, comment il est habillé, comment. Hé hey, Seigneur, aie pitié de nous. Tu vas venir à notre aide. Que Dieu nous aide. Oh. Je disais, il est mort pour la réconciliation, pour nous réconcilier avec le Père. Comme l'enfant prodigue, il n'est pas mort pour que nous puissions avoir les richesses du monde. Tout ça, ce sont des cadeaux, ce sont des suppléments, ça vient après. Jésus est venu nous ramener dans nos droits et non pour
que tu perds tout le jour, que tu passes des jours et des jours à jeûner pour te avoir le mariage. Déjà, je vous dis, je ne le dis pas. Si je mens, Dieu connaît, Dieu voit mon cœur. Moi alors, oui, t'emmène dans cette maison. Je n'ai pas d'enfant. Les larmes n'ont jamais coulé. Ah, je vais m'asseoir et commencer à pleurer pour les enfants. Mais je suis devenue folle ou quoi? Hein? Les enfants là, ça viendra. Un jour, j'avais même dit à quelqu'un, si Dieu dit qu'il ne va pas me donner, mais là, je vais faire quoi? Dis-moi, je vais faire quoi? Donc moi, je vais passer toute ma vie à pleurer pour les enfants. J'ai dit à une réunion le mercredi, aime Dieu plus que tout, plus que les enfants, plus que le mari. Parce que ces enfants, ils peuvent te décevoir. Vous avez vu l'enfant de 14 ans qui a tué sa maman, non? C'est sur le réseau chez Kabibi là-bas. Il faut aller sur la chaîne de Kabibi. 14 ans. Elle a empoisonné sa maman parce qu'elle voulait coucher avec les hommes. Elle a amené les hommes même à la maison, coucher dans le lit de sa maman. Comme la maman l'a surveillée trop, elle a mis quelque chose dans la boisson. Elle revient à la maison, elle avait bu sa boisson, elle l'a laissée dans le frigo. Et elle envoie le frère, ce sont des jumeaux. Le faux jumeau, le garçon, un garçon, une fille, envoie son frère, va me donner la boisson. Et la fille dit, non, maman, je vais te donner. Elle court, elle prend la boisson, elle met le poison dans la boisson de sa maman. Et l'enfant que tu as porté 9 mois. C'est maintenant pour des gens comme ça que toi, tu veux que je reste là, je commence à mettre des soucis. Hein? On aime les enfants, oui. Mais je ne peux pas, ça, ils ne doivent pas être ma priorité. Que le Seigneur nous aide. Tu ne peux pas passer des jours et des jours à jeûner, prier pour avoir un mariage. Jeûner, prier pour les enfants. Jeûner, prier pour ton cœur. Que le Seigneur change ton cœur. Jeûner, prier pour que le Seigneur change ton caractère. Afin que tu ne rates pas l'enlèvement. Cette histoire de mariage-là, laisse ça au Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur de gloire nous aide. Je pense que tu vois, leur cœur est attaché tellement au donateur, au don, mais pas au donateur. Le cœur de toutes ces personnes-là qui sont en train de courir. Alors, ne sois pas dans cette catégorie-là, de ceux-là qui s'attachent au don. Il y a de ceux-là qui sont toujours derrière la gloire, derrière la renommée, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de membres. Et ceux qui ne sont pas comme les autres là, ceux qui n'ont pas beaucoup de membres se sentent lésés et pensent qu'ils ne prient pas bien, peut-être que Dieu ne les connaît pas, ils ne servent pas bien. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de diète privée, ils pensent qu'ils sont moins serviteurs par rapport à ceux qui... Et puis, tu vas voir cette histoire des grands. Je vous avais posé une question une fois. Qui est grand et qui est petit? Grand par rapport à qui, par rapport à quoi? Et qui est petit? Tout ça, c'est des problèmes. Et je parlais même avec la même soeur avec qui je venais de partager, Blanche. Je lui disais, tu vois, et même les membres aussi, vous aussi, vous êtes des problèmes. Quand un pasteur a beaucoup d'argent, un prophète a beaucoup d'argent, tu sais, les honneurs, tu aimes, tu respectes. Un serviteur de Dieu qui est simple, qui est humble, tu ne vas pas le respecter. Je vois ça avec mon mari. Il est tellement humble. Je ne le dis pas parce que c'est mon mari. Moi, Dieu m'avait dit, il va me briser au travers de l'homme qui va me donner. C'est ce que Dieu a fait. Dieu m'a donné un homme tellement humble. Moi, j'avais du mal à dire pardon. Et je n'ai pas raison. Hein? C'est moi qui ai tort. Mais pour ouvrir ma bouche à dire pardon. Mais Dieu m'a brisé au travers de mon mari. Un homme humble. Un homme simple. Il a tort. Il n'a pas tort. Mais il va te dire, Marie, on doit prier. Tiens-moi la main, on doit prier. Si le Seigneur revenait pendant qu'on dort, tu vas rater l'enlèvement. On ne peut pas dormir comme ça. Et moi, là, je boude. Alors que je n'ai même pas raison. Les démons me tourmentaient. Un homme très simple. Mais il faut voir comment... J'ai parlé déjà Lingala. Mais on dit, ce n'est pas possible. Les gens qui sont venus me font trop parler Lingala. Il faut voir comment les membres... La plupart des membres ne les respectent pas. Et puis, je regarde, je dis, yo... Il est tellement simple. Quand tu viens, il faut qu'on te dise qui est le pasteur dans l'église. Je vous ai dit ça. Je vous dis ça souvent. Et les gens qui ont l'esprit de Dieu voient ça même au travers de YouTube. Ils les regardent, cet homme est rempli de l'esprit. On arrive beaucoup de visiteurs, ils disent, waouh, il est comme ça. Mais regarde comment on les traite à l'église. Tu vas voir mon cœur là, je dis, Seigneur, aide-moi. Change-moi aussi, je vais devenir comme lui. Et vous là, c'est vous aussi le problème. Vous respectez ceux qui sont honorés. Mais non, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas la renommée. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ils sont tous en train de courir derrière la renommée, derrière l'argent pour devenir comme les autres. Comme ça, vous allez aussi les respecter. Voyez comment on est tous tombés à terre. On est tous tombés trop bas dans le piège de l'ennemi. Et nous, les membres et les serviteurs, tout le monde, nous sommes dedans.
Que le Seigneur nous aide. Oh Dieu de grâce, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi, tu as moins de membres. Homme de Dieu, si tu vas tomber sur cette vidéo, ne pense pas que tu es moins serviteur par rapport aux autres. Si tu n'as pas d'argent, ne pense pas que tu es moins serviteur par rapport aux autres. Servant de Dieu, enfant, fils de Dieu, fille de l'Éternel, tu es ici, tu n'es pas encore marié. Ne pense pas que tu ne pries pas bien, les autres prient plus que toi. Ne pense pas que eux, là, Dieu les aime plus que toi, ils nous aiment tous. Le Seigneur de gloire, ne diminuons pas la valeur de l'œuvre de la croix. Ne réduisons pas l'œuvre de la croix au néant. Vraiment, on réduit l'œuvre de la croix. On foule au pied. It's like we despising it. C'est comme si nous, vraiment, on est en train de comment on dit ça? Diminuer. Non, despise. I don't know how to say it. Vous allez comprendre. Rejeter, diminuer, réduire l'œuvre de la croix. Alors que le Seigneur a payé un prix. C'est trop cher. C'est pour te réconcilier. Tu peux avoir le monde entier. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des milliards. Mais si tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, si tu n'es pas dans la nouvelle alliance, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu n'es pas rentré dans la nouvelle alliance, tu n'es pas entré dans l'alliance avec le Père, où iras-tu avec tout ce que tu as amassé là? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Alors ce que tu as, tu n'as pas encore de mari, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas assez de moyens, tu vis dans cette bicoque, tu es plus riche que l'homme le plus riche du monde. Tu es plus riche que l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Alors que personne ne vienne te dire que tu es moins chrétien, tu es moins prophète, tu es moins pasteur, parce que tu es en train de mener la vie que tu es en train de mener. Oh, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Il y a tellement de choses à dire, mais l'essentiel est de retenir que le Seigneur de gloire n'est pas allé à la croix pour que tu t'amasses des millions sur cette terre. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous sommes en train d'aller quelque part. C'est là que nous allons passer l'éternité. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de travailler plus pour là où tu vas ou de travailler plus pour ici. Tu vas tout laisser. Notre soeur qui vient de nous quitter, qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Mais qu'est-ce qu'elle a amené? Juste ce qu'elle avait sur elle. Des fois même ce qu'il y a sur nous là quand on meurt, on coupe ça avec des ciseaux dans d'autres pays pour que les gens ne puissent pas voler. Tu vas rien. Nu tu es venu, nu tu vas retourner comme l'autre là. Comment on appelle encore le monsieur là? Job avait dit. Excusez-moi, c'est la poste. Alors que le Seigneur de gloire, si tu tombes sur cette vidéo, tu es déjà abattu, tu es découragé, tu te poses tant de questions. Arrête de te poser plusieurs questions. Arrête de promener un regard inquiet. Fais confiance au Seigneur. Serviteur de Dieu, tu as 5 membres, tu as 4 membres. Ça n'avance pas comme tu veux. N'arrête pas. N'abandonne pas. Continue à servir le Seigneur dans la joie, dans l'amour, dans la persévérance. Jusqu'à ce que la trompette sonnera. Peut-être que toi, Dieu veut seulement que tu prennes soin de ces 5. Et tu ne sais pas. Le salaire ou le couronnement qui t'attend quand tu vas aller de l'autre côté. Peut-être que tu vas recevoir un couronnement plus que ceux-là qui ont des millions de membres. Alors que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous garde. Qu'il vous couvre sous sa grâce. Qu'il touche vos cœurs au travers de ce message. Afin que vous puissiez vous repentir et retourner au Père. Travaillez plus sur votre relation avec le Père. Après ta mort, où ira ton âme? Cherche premièrement le salut, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste te sera donné. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté le Seigneur de gloire, fais-le. Donne-lui ton cœur. Va à genoux, pleure comme un enfant. Demande pardon pour tes péchés. Dis, Seigneur, je marche comme je voulais, j'ai tout fait. Maintenant, je m'abandonne à toi. Dirige-moi. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. J'ai dit, amen. Continuez à partager nos vidéos. Invitez les autres à s'abonner sur la chaîne. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace into you.